PND, avec ses trois priorités bien affichées, de devenir un hub, de s'industrialiser et de répondre aux attentes sociales, s'inscrit dans un groupe de pays réformateurs qui est en train de marquer une nouvelle Afrique émergente. Le niveau d'ambition de ce PND, que j'ai vu naître avec énergie et détermination, éclairé par le président et un collectif engagé dans la transformation, est en soi une prouesse. Mais il va plus loin. C'est un des documents de planification les plus réussis du continent, précisément parce qu'il suit l'enseignement que nous a rappelé Anta Diop. C'est avec honneur que je prends la parole ce jour devant vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de toutes les populations de notre pays. Oui, le Togo lance son plan national de développement, un plan pensé et conçu pour toutes les composantes de notre pays, pour faire du Togo une étoile parmi les nations. En ce sens, nous pouvons reconnaître que les autorités de notre pays ont engagé d'importantes actions visant à accroître le bien-être des populations. C'est pourquoi nous souhaitons respectueusement appeler votre attention, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, sur la nécessité d'instaurer autour de la mise en œuvre du PND des réflexes de transparence et de reddition des comptes, autant pour la planification des actions que pour l'accès aux bénéfices, des opportunités et des résultats effectivement obtenus. La cérémonie de ce jour confirme, et je m'en réjouis, notre engagement commun à réaliser sans tarder les transformations nécessaires à l'édification du Togo moderne, prospère et stable, que nous pourrons être fiers de léguer aux générations qui viennent. Le PND porte de grandes ambitions. Ce n'est pas juste un plan de plus. Ce n'est pas non plus un outil de théoricien ou destiné à une certaine élite qui serait la seule à pouvoir en parler. Non, le PND est formulé dans une démarche inclusive et cohérente, dont la trame demeure la recherche des meilleures conditions de vie pour nos populations. Dans la mise en œuvre du PND, il sera remédié aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées par la judicieuse intervention de l'État qui veillera à affecter nos ressources aux priorités de développement. Le consentement de tous les contribuables à l'impôt participe de la démarche inclusive recherchée dans le PND tout en ayant comme pendant naturel l'obligation de reddition des comptes à tous les niveaux. La jeunesse ne me demande pas l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte socio-économique motivant. Le modèle vers lequel nous tendons avec le PND est justement celui-là. Sans la paix et un environnement rassurant, nous ne serons pas capables d'attirer les importants investissements nécessaires aux grands projets structurants du PND. Si nous voulons nous affirmer comme une destination de choix pour les capitaux privés, nous devons à tout prix préserver notre pays des soubresauts et des violences qui paralysent durablement l'économie. Notre République est riche de chaque fille et de chaque fils qui travaille à sa grandeur. Personne ne sera laissé de côté. La voie est donc tracée et nous savons ce dont nous aurons besoin tout au long du chemin. Avançons donc ensemble, solidaires, optimistes et confiants.